Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, un homme va parler, c'est cet homme qui est ici. Il va nous révéler des choses sur la trahison. Il va nous dire que toute chose trahie sur la terre, sauf Dieu. Écoutons ça ensemble. Toute chose trahie sur la terre, sauf Dieu. Super. Tes camarades qui te blaguent. Tes amis qui te blaguent. Allons dans tel maquis. Allons dans tel bar. Allons dans telle boîte de nuit. Il y a anniversaire de mon ami là-bas. Allons boire. Allons fumer chicha. Sache que un jour, tous ceux-là vont te trahir. Quand est-ce qu'ils vont te trahir? Le jour de ta mort. Il n'y aura personne parmi eux qui va t'empêcher de mourir. Il n'y aura personne parmi eux qui va empêcher l'ange de la mort de prendre ton âme. Il n'y aura personne parmi eux, lui qui va empêcher qu'on t'enterre. Il n'y aura personne parmi eux, lui qui va empêcher que tu fasses un jugement avec Dieu. Répands-toi. Sois esprit. Tes mauvais amis ne t'aiment pas. Tes mauvais camarades ne t'aiment pas. Parce que s'ils t'aimaient, ils allaient te dire de prier. Si tes camarades t'aimaient, ils allaient te dire de jeûner. Si tes camarades t'aimaient, ils allaient te dire de ne jamais forniquer. Mais tous ceux qui t'envoient, tous ceux qui te disent, allons vendre de la drogue, allons faire du mal, sache qu'un jour ils vont te trahir. Et parmi tes amis-là, si on dit à un parmi eux de partir s'asseoir, passer une seule nuit, je dis bien une seule nuit, sur ta tombe, je te jure qu'il ne va pas accepter. Fais pour Dieu. Fais pour Dieu avant le jour de ta mort. Tu ne sais pas quand mourir. Tu ne sais pas quand l'ange de la mort va venir sur toi. Tu ne sais pas quand ta fin va arriver. Tu ne sais même pas où mourir. Mais c'est toi toujours, tu es en train d'échanger de go à go. De fille à fille, tu es toujours dans les maquis. Est-ce que tu ne veux pas réussir? Est-ce que toi tu veux rester dans ça? En train de voir tes amis en train d'envahir. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vous laisse écouter cela encore. Toute chose trahie sur la terre, sauf Dieu. Tes camarades qui te blaguent. Tes amis qui te blaguent. Allons dans tel maquis. Allons dans tel bar. Allons dans telle boîte de nuit. Il y a anniversaire de mon ami là-bas. Allons boire. Allons fumer chicha. Sache que un jour, tous ceux-là vont te trahir. Quand est-ce qu'ils vont te trahir? Le jour de ta mort. Il n'y aura personne parmi eux qui va t'empêcher de mourir. Il n'y aura personne parmi eux qui va empêcher l'ange de la mort de prendre ton âme. Il n'y aura personne parmi eux, lui qui va empêcher qu'on t'enterre. Il n'y aura personne parmi eux, lui qui va empêcher que tu fasses un jugement avec Dieu. Répands-toi. Sois esprit. Tes mauvais amis ne t'aiment pas. Tes mauvais camarades ne t'aiment pas. Parce que s'ils t'aimaient, ils allaient te dire de prier. Si tes camarades t'aimaient, ils allaient te dire de jeûner. Si tes camarades t'aimaient, ils allaient te dire de ne jamais forniquer. Mais tous ceux qui t'envoient, tous ceux qui te disent, allons vendre de la drogue, allons faire du mal, sache qu'un jour ils vont te trahir. Et parmi tes amis-là, si on dit à un parmi eux de partir s'asseoir, passer une seule nuit, je dis bien une seule nuit, sur ta tombe, je te jure qu'il ne va pas accepter. Fais pour Dieu. Fais pour Dieu avant le jour de ta mort. Tu ne sais pas quand mourir. Tu ne sais pas quand l'ange de la mort va venir sur toi. Tu ne sais pas quand ta fin va arriver. Tu ne sais même pas où mourir. Mais c'est toi toujours, tu es en train d'échanger de go à go. De fille à fille, tu es toujours dans les maquis. Est-ce que tu ne veux pas réussir? Est-ce que toi tu veux rester dans ça? En train de voir tes amis en train d'envahir. Vous avez entendu ça? Il a dit et il a dit et il a dit et il a dit. Mes frères et sœurs, toutes choses trahies sauf Dieu.
Tous vos amis vont vous trahir, sauf Dieu. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Regardez. Regardez par vous-même la mort. Le jeune homme meurt beaucoup ces temps-ci. Le jeune homme meurt beaucoup aujourd'hui. La mort partout. La souffrance. Les problèmes. Les ennuis. Tout ce qui est mauvais, je vous assure, mes frères et sœurs. Toute chose trahie, sauf Dieu. Jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse, mais sache que tu rendras compte à Dieu. Regardez. Regardez cette image. Regardez, regardez. Qui a fait ça? Dans le monde réel, on ne voit pas ces choses. Mais dans le monde spirituel, on voit tout ça. Aujourd'hui, vous vous faites entourer des amis qui ne font que vous donner de mauvais conseils. Tout le temps, vous allez boire. Tout le temps, vous êtes marié. Vous avez le goût, vous avez les femmes, les filles de joie. Vous avez toutes ces choses. Cette vie-là va vous conduire dans un problème après. Tout de suite, vous ne voyez pas. Peut-être que vous voyez des signes, mais vous pensez que c'est de la blague. J'ai vu des jeunes gens avec des bouteilles d'alcool. Vous voyez les bouteilles d'alcool très très chères là. Vous voyez. Et ils étaient dans une voiture. Une voiture en train de s'amuser. Je voyais certains qui avaient fait descendre leurs culottes. On voyait juste les slips. On voyait les slips. Genre, tu fais descendre ta culotte un peu comme le hip-hop, quoi. Et on voit tes slips. Ils ont mis la musique de la voiture à fond. Et ils dansaient. Ils étaient en joie. Ils étaient vraiment ils kiffaient ça, quoi. Quelques temps plus tard, quand ils ont démarré, on a appris qu'ils ont eu un accident avec un gros camion. Et la plupart des gens qui se trouvaient dans ce camion, en fait, dans cette voiture-là, sont morts. Sont morts. La mort peut frapper tout le monde, n'importe comment et n'importe où. La mort ne tue pas. Mais la voie que vous choisissez peut vous conduire directement vers elle. Oui. Et oui. Par exemple, si tu prends une moto tout de suite et que tu conduis cette moto sans protection, tu conduis rapidement cette moto, c'est-à-dire que tu fais, comment on dit ça? Tu fais genre comme du rallye, quoi. Sans casque, sans rien. Si tu tombes, tu peux mourir. Ça là, est-ce que la mort ne va pas arriver tout de suite? Si quelqu'un se jette du haut d'un immeuble, s'il n'est pas mort, c'est que c'est Dieu qui a voulu, qui n'a pas voulu qu'il meure. Sinon, dehors, il y a beaucoup de morts. Les jeunes gens se livrent à la joie. Et quand je les vois fumer ce qu'ils appellent la chicha, vous connaissez ça, non? Genre, c'est comme du tabac, mais c'est choco. Du tabac en choco, quoi. Ils fument ça. Et ils avaient. Et ils se disent que c'est le chaud. Et ils se disent que c'est la joie. Et ils sont dans ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais attends. Si Dieu voulait que la fumée sorte de nos bouches, il nous aurait créé dragon en même temps, et puis c'est fini. Mais pourquoi nous a créé tel que nous sommes et nous, on fait le contraire de ce qu'il veut? La plupart des gens sont attirés vers le mal que le bien. Mes frères et sœurs, conseillez vos petits frères, conseillez vos grands frères, conseillez tout le monde.
Il faut que les gens entendent ça, partagez ça à vos amis, à vos frères, afin qu'ils puissent bien comprendre que dans la vie, ce n'est pas que de l'amusement. Nous avons été créés par Dieu. Nous devons honorer Dieu dans toutes nos voies. Vraiment, c'est grave. Vraiment, c'est terrible. Que Dieu me permette de comprendre ce message.